Salut tout le monde, c'est Aude de Aude Couture et aujourd'hui, on se retrouve pour faire la revue de l'année 2023. Étant donné que ça tire à sa fin, c'est maintenant le temps de regarder en arrière et de se poser la question, c'est quoi mes projets préférés de la dernière année? Et on va pouvoir partir ça maintenant. C'est une vidéo que je veux essayer de faire à chaque fin d'année, donc à chaque mois de décembre, pour, oui, vous nommer c'est quoi mes projets préférés et peut-être vous inspirer par le fait même, mais j'aime également l'introspection et la rétroactive que je fais au moment où est-ce que j'essaie de comptabiliser qu'est-ce que j'ai fait dans la dernière année et de vraiment là, trouver les projets qui soit m'ont satisfait parce que j'ai appris quelque chose, fait qu'ils sont restés gravés dans ma mémoire parce que j'ai appris quelque chose de nouveau, ou encore parce que je suis tout simplement fière du projet que j'ai fait, et aussi quand il y a un vêtement que je me fais, que je couds moi-même et que je porte constamment. Fait que c'est mes formules gagnantes, c'est là où est-ce que c'est mes projets qui font en sorte qu'ils ressortent du lot, parce que j'en fais quand même beaucoup des projets dans une année. Et là, quand je me suis assise hier pour justement faire... Là, au début, je me suis dit, bon, top 5, top 10, top... peu importe. Mon top... Quand j'ai fait la liste de mes tops, j'ai constaté quelque chose et bien honnêtement, je ne sais pas encore si c'est une satisfaction ou quelque chose que je veux changer l'an prochain. Parce que j'ai constaté qu'au fil de l'année, ce que j'ai principalement cousu, ce sont mes propres patrons. Ce que je trouve en soi vraiment le fun. Parce que ça assure quand même un fit quasi parfait. Il y a beaucoup de travail qui va derrière tout ça parce que je dois faire des toiles, parce que je dois faire des ajustements dans mon patronage au fur et à mesure que je fais la confection de mon projet et la création de mon patron. Mais en bout de ligne, j'en viens souvent avec des projets super intéressants parce que c'est des vêtements que j'aime beaucoup, donc que je porte souvent. Sinon, ça a été des patrons maison très simples pour des petits projets, surtout pour la chaîne ici sur YouTube. Je n'ai pas beaucoup cousu de patrons commerciaux, à l'exception de quelques-uns qui sont dans ma liste. Fait que je me demande si, bien que j'aime beaucoup faire la confection de mes patrons de maison, parce que j'adore faire du patronage, parce que je peux vraiment laisser aller ma créativité, j'aime aussi avoir des projets qui sont un peu moins, je vais dire, casse-tête, dans le sens où est-ce que j'imprime le patron, je coupe mon tissu, je couds et c'est terminé. J'aime aussi beaucoup la fluidité de ce genre de projet. Il y a quand même beaucoup de projets qui vont nécessiter un peu de patronage, ne serait-ce que pour faire des modifications pour la grandeur, pour le style. Il y a certaines choses des fois que j'ai envie de changer sur des patrons, même s'ils sont commerciaux. Mais bref, cette année, j'en ai pas cousu beaucoup. La question est donc, j'ai très hâte de voir en 2024, est-ce que je vais avoir plus de couture de patrons commercial? Je vais voir parce que j'ai quand même beaucoup de compagnies de patrons coup de cœur. Et aussi, qu'est-ce qui peut être intéressant, c'est que dans la planification et l'élaboration d'un patron, il y a quand même beaucoup de recherches pour ma part qui va derrière ça parce que j'aime ça faire des recherches en matière de style. Fait que c'est le fun de des fois juste voir un modèle, faire « wow, c'est exactement ça que je veux, rien de différent en termes de style » et de se procurer le patron et ensuite de le faire. C'est un peu plus dispendieux parce qu'on doit dépenser pour le patron, mais somme toute, c'est quand même plaisant à faire comme projet. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va nous arriver en 2024, qu'est-ce qui va m'arriver en 2024. Je vais probablement insérer un peu plus de patrons commerciaux dans notre club de couture avec les filles du Patreon. Je trouve que dans la dernière année, on en a fait un peu moins, même si on a eu beaucoup de plaisir à faire qu'est-ce qu'on a fait. On a eu des mois libres, des mois thématiques, ça a été vraiment amusant. Mais peut-être que l'année prochaine, les filles du Patreon, on pourrait se mettre un petit peu plus de projets avec des patrons de données commerciales pour pouvoir s'amuser un peu avec ça. Mais là, je m'éloigne un peu du sujet parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle? On parle pas de qu'est-ce qu'on va faire en 2024. Ça pourrait être un vidéo intéressant, par exemple, en janvier, mais on va se concentrer sur ce qui a été fait, cousu et aimé en 2023. J'ai envie de commencer... c'est pas en ordre de ce que j'ai préféré, bien que je pense que je vais garder un de mes projets préférés pour la fin. Le premier projet que je vais vous dire, je pense que c'est le premier projet que j'ai fait en 2023, et c'est un projet de cours. Pourquoi je l'ai aimé? De un, parce que c'est exactement ce que je voulais en bout de ligne. Je me suis imaginé quelque chose dans ma tête, je l'ai patronné, je l'ai confectionné, je l'ai installé, c'est exactement ça que je voulais. C'est un store romain. C'est un store romain que j'avais besoin dans ma fenêtre de cuisine en haut. J'avais jamais fait ça de ma vie et je trouvais intéressant de venir glisser ce genre de cours-là dans
les cours haute couture, étant donné qu'on se concentre principalement sur la confection de vêtements sur mesure. Mais là, je me disais, décoration sur mesure aussi, ça peut être intéressant. Donc, ce fut le stand romain, et étant donné que je ne connaissais alors là pas du tout comment faire, il a fallu que je fasse beaucoup de recherches et que je m'éduque un peu à ce niveau-là. J'ai trouvé de l'information dans les livres que j'ai à la maison, bien évidemment, mais j'ai également posé des questions quand je suis allée magasiner mes tissus et mon matériel chez Tissu Roger. Ce sont des spécialistes de tissus de décoration, donc c'est sûr, il y avait beaucoup de réponses pour moi et j'ai appris énormément. Donc, c'est plein d'informations que j'ai pu, oui, inclure dans mon cours, mais également appliquer moi pour le projet que j'avais à faire en haut. C'est un cours qui se retrouve sur le site internet, c'est un cours à la carte, ça peut être adapté à la grandeur de fenêtre que vous voulez avoir, ça, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose que je trouve aussi intéressant. C'était simple, c'était rapide, mais c'est un projet qui m'a permis d'apprendre énormément. Et c'est pour ça qu'il se retrouve dans mon top 2023. Je ne pouvais pas ne pas mettre dans mon top. C'est un duo. Je les ai mis ensemble parce qu'ils vont si bien. Ils forment un si joli couple. Solange et Adrien, oh, ça a été vraiment le point fort de l'année 2023. C'est le dernier patron sorti de la petite armoire. C'est ce qui a été cousu lors de la retraite 2023 avec les filles. Ça a été une superbe fin de semaine. Un super projet. Et je porte Adrien et Solange très, très, très souvent. C'est vraiment un projet que j'ai aimé faire. C'est confortable à porter. C'est rapide à faire. On peut s'amuser avec les poches. Et c'est ce que j'aime du Adrien. Étant donné qu'on peut choisir 3 poches différentes et les options de 100 poches, naturellement. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Et les filles qui l'ont cousu lors de la retraite s'en sont refait énormément. Ce que, en tant que créatrice, on trouve le fun parce qu'on se dit, ben, ils l'ont cousu une fois, ils ont envie de leur coudre. À quelque part, on a fait quelque chose de chouette. Et c'est vraiment un patron à avoir dans mon inventaire dès que je veux faire quelque chose de confortable. Et qu'est-ce qui est cool avec le pantalon, c'est que oui, ça reste un pantalon ultra agréable à avoir et à porter quand on est en mou à la maison. Celui que j'ai fait en French Terry, il est parfait. Et je l'ai fait aussi en ponté, et ça fait un style un petit peu plus propre, un peu plus chic. Je peux facilement le porter pour sortir de la maison. Et je reste quand même dans un style qui est relativement habillé, mais ô combien confortable. Solange et Adrien, c'était sûr qu'elle allait avoir leur place dans mon top 2023. C'est un gros coup de cœur, autant dans la confection, dans le fit, dans le confort, mais aussi dans l'expérience que j'ai eue avec ces patrons-là. Si on reste dans le confort, je pense que, inévitablement, le cours de la salopette va se retrouver dans mon top 2023. Tout simplement parce que, oui, elle est magnifique. Oui, je l'adore. Oui, je la porte minimum une fois par semaine. Mais c'est un ensemble ultra confortable. Également cousu en ponté, c'était quelque chose que je voulais coudre dans un tissu qui, oui, se tenait bien, mais qui restait extensible pour un maximum de confort. Et je suis toujours bien dedans. Que ce soit une journée où est-ce qu'il faut que je passe à mon ordinateur et que je suis assise, je vais être bien dedans, comparativement peut-être à un jeans ou à un autre vêtement, où est-ce que là je deviendrai inconfortable très rapidement. Je suis super à l'aise dedans quand je fais mon bénévolat à l'école avec les enfants. Je suis toujours bien, j'ai beau bouger, me promener, il n'y a rien qui bouge, mon vêtement il reste où est-ce que je veux qu'il reste. C'est parfait, je l'aime vraiment beaucoup et c'est définitivement un projet que j'aimerais refaire plus court et peut-être même d'une autre couleur et peut-être même adapté pour que le bas soit pas nécessairement un pantalon, mais une jupe. Je pense que ça pourrait être aussi intéressant à faire. C'est un cours qui se retrouve en prérequis, donc pour celles qui font soit partie de l'abonnement ou qui ont le gabarit de base extensible, corsage et bassin, c'est vraiment, vraiment une suite de cours super le fun à avoir. Vraiment un projet intéressant à patronner et à coudre. Mon prochain projet, on dirait que j'essaie tout de leur trouver une raison, côté apprentissage. Côté coup de cœur, côté... C'est un côté émotif. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur mon initiation à la courte pointe, j'ai cousu pour la première fois de ma vie une courte pointe toute simple, ok? Il n'y a rien de compliqué là-dedans. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je voulais que ça soit le fun. Je voulais que ça soit relativement rapide et ça allait pas être un très, très gros projet parce que j'avais pas assez de matériel pour le faire. Mais je voulais absolument que ce soit confectionné à partir des vêtements de bébé, de ma fille. Ce que j'ai fait, je l'adore. J'aime aussi parce que elle est quand même très lourde. Elle est très pesante. C'est vraiment pas quelque chose de fluffy. C'est vraiment pas quelque chose de léger. Mais je l'aime comme ça parce que quand je travaille à mon bureau, j'aime ça avoir quelque chose de plus pesant sur moi. Je la trouve belle et à chaque fois que je la regarde, j'ai toujours une pensée pour certains événements que Elisabeth portait ces vêtements-là. Et maintenant, elle se retrouve pour toujours en couverture. Je la trouve vraiment cool et même ma fille apprécie cette couverture-là. Elle aime ça la regarder. Elle sait que c'est ses vêtements de bébé. Ça fait, oui, un super de beaux souvenirs, mais aussi ça fait un projet que je vais
vais garder toute ma vie et que je vais être vraiment fière d'avoir fait. Donc, inévitablement, la couverture avec les vêtements de bébé ma fille allait se retrouver dans mon top 2023. Et en plus, oui, c'est un projet émotionnel, un projet un petit peu plus sentimental, mais c'est un projet où est-ce que j'ai appris énormément et ça m'a donné envie de continuer et de faire d'autres projets de courte pointe. Fait qu'en soi, c'est un projet qui frappait un coup de circuit. Et si on reste dans la thématique apprentissage, je vais y insérer le projet d'un autre projet de cours qui est le projet Cardigan. Le projet Cardigan, au début, je me suis dit, ça va être quelque chose de simple comme cours. J'avais pas beaucoup d'études à faire pour planifier ce cours-là. J'avais pas grand-chose à élaborer, à part bon, mes étapes de patronage, qui en soi, pour moi, à certains égards, s'est rendu seconde nature quand je fais la planification de mes cours. Mais j'avais envie de faire quelque chose, peut-être que je pouvais pousser un petit peu plus loin, justement, pour moi, m'ajouter une corde à mon arc. Et une des choses que je trouve dommage quand on vient tant de coudre, c'est je ne suis pas bonne en tricot. Je ne suis pas une... En fait, c'est pas nécessairement parce que je suis pas bonne en tricot, mais j'ai pas la patience pour faire du tricot. Mais j'adore le résultat, j'adore le look. Et je voulais essayer de faire en sorte que mon cardigan reflète ce look-là sans avoir à le tricoter nécessairement. C'est là que j'ai eu, en fait, l'idée de tenter l'expérience et de convertir une couverture tricotée en cardigan. Ce qui n'est pas nécessairement facile, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. J'aimerais vraiment refaire ce cours-là, en fait, ce projet-là, avec peut-être une couverture différente, mais aussi à certaines étapes de faire certaines choses différemment, parce que j'ai envie d'essayer encore plus et de pousser cette technique-là, parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé faire ce cours. J'adore le résultat final. Je tripe sur mon cardigan. Il y a vraiment l'allure que je voulais qu'il y ait. Fait que ça, je suis extrêmement contente. J'ai envie d'en faire plein d'autres. Et tout en changeant soit la texture de la couverture, le poids de la couverture, le type de tricot qui a été fait pour concevoir cette couverture-là, le cardigan peut vraiment, vraiment, vraiment être différent à tout coup. Fait que oui, j'ai envie de refaire ce cours-là. J'ai adoré ce projet, surtout parce que j'ai appris une nouvelle technique et je me suis vraiment ouvert plein de portes pour des prochains projets et pour même recycler certaines choses, que ce soit des couvertures, des vieux vêtements qui sont faits en tricot. Je trouve que ça vient vraiment nous donner encore plus de possibilités créatives et ça, en couture, on va se le dire, on aime ça. Le prochain projet... Ah, et puis j'en ai un juste là. Le prochain projet, c'est un coup de cœur. Non, j'ai pas appris grand-chose en le faisant nécessairement. Je suis pas nécessairement fière parce que j'ai poussé la limite de mes capacités créatives. C'est un projet que j'aime parce que je l'utilise à tous les jours. Il y a tout ce qu'il faut du côté pratico-pratique. Ça faisait longtemps que je me cherchais quelque chose comme ça. Et j'en ai maintenant offert en cadeau. Et les personnes à qui j'en ai offert en cadeau sont super contentes. Et j'ai nommé l'étui à liseuse. C'est une, justement, que j'ai faite, que je dois remettre en cadeau pour les fêtes. Je l'avais dit dans mon vidéo de mes suggestions de cadeaux à faire pour Noël. Ça en fait partie. J'en ai fait une. J'aime particulièrement mon étui à liseuse parce que il est parfait, oui. Je pense que ça reste personnel, mais moi, quand je lis avec cet appareil-là, j'aime ça quand ma liseuse n'a pas d'étui quand je la lis. Je trouve que elle se tient mieux, elle est plus légère, j'ai plus de possibilités, j'ai pas un flap qui vient tout le temps bouger. J'aime ça quand elle a aucune enveloppe. Mais quand j'ai fini de lire ou quand je veux la transporter, j'aime pas ça qu'elle soit pas protégée. Je veux qu'elle soit dans son étui. Et ce que j'aime de cet étui-là, c'est qu'elle est rembourrée avec une petite mousse. C'est parfait, elle est donc protégée, que je la mette dans mon sac ou que je sorte dehors et que je l'échappe par terre. Et ce que je trouve aussi très pratique, c'est que moi, personnellement, j'ai une Kobo et mon fil de Kobo, il fonctionne aussi pour certains autres appareils dans la maison, comme charger les manettes de PlayStation. Mais je ne veux pas que mon fil se retrouve justement dans la station de charge de manettes de PlayStation. Je veux garder mon fil Kobo avec ma liseuse tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'en arrière, il y a une petite pochette. Mon fil de charge est toujours à l'intérieur. Donc, que ce soit pour charger ou pour importer des livres, j'ai besoin de mon fil à portée de main. Et depuis que j'ai fait ma liseuse, je ne cherche plus mon fil jamais. Et croyez-moi, si mon chum était ici pour pouvoir corroborer mes dires, je suis de celles qui cherchent constamment les choses qui m'entourent, que ce soit clé, lunettes, fil de charge, je cherche absolument tout. Je me souviens jamais où est-ce que j'ai laissé mes choses, mais depuis que j'ai mon étui à liseuse, je ne cherche plus jamais mon fil de charge de Kobo et ça, ben, j'en suis bien contente. Il me reste deux projets, dont un projet qui est comme divisé en
deux projets. J'en ai parlé lors de mon dernier live. J'ai commencé à faire des robes de patinage artistique pour ma fille qui évolue, ma foi, très rapidement dans cette discipline. Elle est bonne, elle aime ça, elle trippe. Écoutez, c'est du patin à danse, il y a de la musique et c'est un peu comme de la gymnastique. C'est tout pour que ma fille soit heureuse. Elle vit sa meilleure vie au travers de cette discipline sportive et j'en suis très heureuse. Et là où est-ce que ça devient encore plus intéressant, c'est que je peux m'amuser à lui faire des robes de patin. J'avais jamais fait ça de ma vie. Je ne pensais, bien honnêtement, jamais faire ça de ma vie. C'était pas nécessairement un aspect de la couture qui m'intéressait, que ce soit dans le type de tissu, le style de vêtements. Ça n'a jamais été quelque chose qui a attiré particulièrement mon œil. Oui, c'est beau quand on les voit à la télé aux Jeux Olympiques, c'est magnifique. Mais ça n'a jamais été quelque chose que j'avais envie de faire. Et maintenant, je ferai ça constamment. Oui, parce que j'ai la plus adorable des muses, mais aussi parce que je me rends compte qu'en termes de technique et en termes de créativité, on peut vraiment, vraiment beaucoup s'amuser. Donc, j'en ai fait deux pour l'instant et les deux ont été faits à partir du même patron de Jali. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas mal l'impression que toutes les robes que je vais faire pour le patinage artistique vont être des robes Jali. Je suis en ce moment rendue à 3 dans mon inventaire de patrons de robes de patin. J'ai Elisabeth, Carmen et Princesse. C'est les 3 que j'ai. Et je pense qu'à partir de ces 3-là, avec les connaissances de patron que j'ai, je vais être capable de modifier certaines choses. J'aurais pas besoin de m'acheter d'autres types de patrons. Je vais juste pouvoir faire des modifications. La première que j'ai faite, j'ai utilisé des tissus que j'ai à la maison et j'ai été peut-être pas avec les meilleurs tissus pour ce type de projet-là. Le jersey de coton, c'est pas nécessairement ce qu'on utilise pour les robes de patin artistique. En fait, ce n'est pas du tout. Mais je voulais avoir quelque chose sur la main. C'est la première fois que j'allais faire ce genre de projet-là. Et je voulais, en toute honnêteté, que ça nous coûte pas trop cher. Parce que les robes de patin, oui, c'est dispendieux. Et si en ce moment, je veux essayer de couper les coins ronds dans un sport qui coûte cher en général, ça va être dans les robes de patin. Et là, j'ai également fait le costume d'Halloween pour ma fille, qui pourrait également se retrouver dans ma liste, mon top 2023. J'ai vraiment aimé faire ce costume-là. Mais je pense que qu'est-ce que j'ai encore plus aimé, c'est que quand j'ai commencé à réfléchir à ma confection, je me suis dit que ça pourrait être intéressant étant donné que c'était un Pokémon, mais que j'allais faire une robe qui ressemblait au Pokémon qu'elle voulait, mais que la robe, j'allais pouvoir ensuite la recycler pour le patinage. Donc ça allait être 2 projets qui, au lieu que ça soit porté dans une seule occasion, ça va être porté dans 2 et elle va pouvoir reporter sa robe de patin également, bien évidemment. Fait que tout ce que j'ai eu à faire, c'est à raccourcir un petit peu la jupe et rajouter la culotte qu'il y a en dessous pour quand ils font leur spin. Et c'est tout ce que j'ai eu à faire. Mais là où est-ce que j'ai aimé pousser un peu plus mes connaissances, c'est qu'on a décidé de rajouter des petites pierres du rein un peu partout sur la robe. J'avais jamais fait ça encore une fois, j'expérimente encore beaucoup. Je suis pas habituée au niveau de la colle, je suis pas habituée au niveau des pierres, je suis pas habituée au niveau de la pose, de la disposition, des designs, il y a plein de choses. Je m'informe, je regarde beaucoup de vidéos et je pense que c'est ce qui est le fun à l'ère numérique dans laquelle on se retrouve, c'est qu'on peut apprendre beaucoup, beaucoup de passion et beaucoup, beaucoup de techniques au travers de l'Internet, que ce soit sur YouTube ou Pinterest. En ce moment, ce sont mes 2 puits de connaissances que j'essaie de consommer le plus possible parce que ça coûte rien et on peut vraiment trouver beaucoup, beaucoup d'informations. C'est donc 2 projets que, oui, je suis vraiment fière. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que maintenant, je peux travailler en collaboration avec ma fille, non seulement sur le côté créatif, parce qu'elle peut me dire exactement qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir et on peut vraiment s'amuser avec ça, mais aussi en termes de technique. Quand elle fait un spin, quand elle se retourne, quand elle va de reculons, quand elle fait des arabesques, c'est important pour moi. Après ça, on se fait un genre de petit feedback. Est-ce que là, la jupe, elle avait beaucoup de plis, celle de son costume? Est-ce que je lui ai demandé si ça la déstabilisait? Le poids du tissu? Est-ce qu'il y avait des choses qui l'avaient chicoté quand elle bougeait? Puis tout était sous contrôle. Fait que c'est ce que j'aime, c'est qu'on puisse travailler, elle et moi, en connivence pour pouvoir créer les robes qu'elle a envie de porter et qui, sur la glace, apportent encore plus de oomph à ses prestations. Puis ça, je trouve ça vraiment cool. Et en plus, pour celles qui le savent, nous sommes de grandes fans de Zelda dans la maison, qui est un jeu vidéo sur la console de jeu Nintendo. Et ça va être la musique pour son premier solo. Je suis en train de remixer la musique pour qu'elle puisse avoir la parfaite musique pour son premier spectacle. Et naturellement, elle m'a demandé une robe inspiration Link. Et là, je peux vous le dire, maman et jeune fille vont s'amuser vraiment beaucoup. C'était mes avant-derniers projets. Je l'ai dit au début que je gardais mes projets préférés pour la fin. C'en était un. Oui, parce que ça vient relier 2 mondes qui nous passionnent, ma fille et moi, la couture et le patinage. Mais aussi parce que c'est quelque chose de complètement nouveau dans ma carrière
de couturière. Le dernier projet, je viens tout juste de le finir. C'est le dernier cours que j'ai publié sur la plateforme. Il est sorti à la date où est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Dans les dernières semaines, j'ai consommé beaucoup de vidéos de couture pour m'inspirer. Et souvent, quand j'arrive à voir certaines vidéos, je me dis « Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas fait un projet comme ça. Je m'ennuie de coudre ce genre de projet-là. » Puis le point qui reliait chacun de ces projets qui étaient tous différents en soi, c'est de prendre son temps et de pas être dans l'urgence. Et malheureusement, je pense que c'est un des aspects négatifs peut-être de travailler dans sa passion, c'est que bien souvent, notre passion devient « il faut que je produise quelque chose, il faut que je fasse quelque chose ». On va avoir ce genre de pression-là quand on veut des couturières et on fait des retouches, quand on commence nos petites entreprises, vous êtes certaine à avoir commencé, que ce soit des entreprises pour faire des tucs, des chouchous, des vêtements pour enfants, on adore ce qu'on fait, mais oui, inévitablement, un moment donné, on tombe dans l'urgence de faire une production, soit parce qu'on manque de temps, soit parce que il y a eu un moment dans nos vies où est-ce qu'on a pris du retard. En ce moment, on est en pleine grève. C'est important, cette grève-là. C'est vraiment quelque chose que j'appuie à fond la caisse. Mais on va se le dire, on est à la maison avec nos enfants. On n'est pas aussi productif que d'habitude. Donc, inévitablement, je vais finir par tomber en urgence de créer pour un de mes cours. Et c'est ce que je veux faire attention en ce moment, c'est de ne pas toujours être dans l'urgence de faire des créations parce que je pense qu'on perd un peu l'amour de notre passion quand ça vient ça. Là, c'est pas excessif. Là. J'adore ce que je fais et j'adore recréer les cours, mais des fois, je pense que c'est le fun de prendre un petit pas de recul puis de faire « Oh, mais je pense que ça, il faut que je fasse attention. » Et maintenant, je vais apporter un regard différent quand je vais venir faire la création de mes cours. C'est quoi ce cours-là? Faut bien que je le dise à un moment donné. C'est le cours de comment faire notre propre doudoune. Ça fait longtemps que je voulais me faire une doudoune. Et elle est, ma foi, quasi parfaite. Il y a quelques petits trucs qui n'étaient pas parfaits parce que j'ai manqué de tissu. Donc, inévitablement, ça apparaît à certains endroits. C'est pas dramatique. C'est moi, avec mon regard, que je suis peut-être un petit peu déçue, là, que ça ne soit pas match parfait. Mais c'est vraiment pas grave. Ce que j'aime de ce projet-là, c'est que oui, j'ai pris mon temps pour transformer mon tissu, parce que je vous montre comment faire votre propre matelassage, qui est une technique qui peut être longue, mais qui vaut vraiment, vraiment la peine. Et tout ce qui est en termes de patronage, de confection, de finition, c'est définitivement bien pensé. J'adore ce cours-là. Je suis fière de plusieurs cours, mais je pense très sincèrement que c'est le cours avec lequel je suis le plus fière, que j'ai eu le plus de commentaires positifs du vêtement en tant que tel. Je l'aime de tout mon cœur et c'est rare que je suis capable de faire un projet qui est sans anicroche, que je dois pas rien modifier, que je dois rien changer en bout de ligne. C'est quand même très très rare parce qu'il y a toujours des choses à modifier dans nos projets de couture, vous le savez, et c'est normal et ça fait partie du processus de création et c'est une des choses que j'aime. On va se dire, quand on fait un patronage maison avec une confection sans guide de montage et qu'on a tout créé ça de notre propre intérieur et que tout fonctionne du premier coup, je peux vous le dire, c'est vraiment le fun. Il y a un énorme sentiment de fierté qui embarque et ce projet est assurément et à 100% un projet que je suis fière et ça, c'est vraiment le fun. Et c'est avec ce projet merveilleux que je termine mon top 2023. J'espère que vous avez aimé mon vidéo et le mot de la fin va vraiment aller à... Même si oui, je constate que j'ai vraiment pas cousu de patron commercial cette année, vraiment pas. Je suis vraiment fière du fait que chaque patron que j'ai cousu, ou presque, ce sont tous des patrons maison, ce sont tous des choses qui sont sorties directement de ma tête en termes de création, en termes de style, et ça, j'en suis vraiment fière. Et la semaine prochaine, je vais avoir une vidéo sur l'initiation au patronage. On va pas nécessairement se plonger dans des grandes techniques de patronage, mais je vais vous parler de pourquoi ça peut être intéressant de faire nos patronages et de vous montrer, de vous ouvrir la porte vers cet univers, parce que c'est vraiment, vraiment le fun, c'est vraiment trippant, et on a beaucoup de plaisir à créer quelque chose qui est à 100% notre idée. J'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. Et avant de vous laisser partir, j'ai vraiment envie que vous me dites qu'est-ce que vous avez aimé coudre en 2023. Je me suis rendu compte qu'en faisant ces vidéos-là, ça nous permet vraiment de faire une introspection sur notre couture et aussi de réaliser à quel point on peut être fier de ce qu'on a fait. Et même si c'est pas nécessairement en termes de quantité, des fois, il y a juste un projet qu'on va se souvenir et on va faire « Oh, ça, j'ai vraiment aimé ça, coudre ça, je suis fière, j'ai trippé, j'ai appris. » J'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui vous a fait tripper, qu'est-ce que vous avez aimé faire cette année en 2023 et on va pouvoir se retrouver en 2024 et se faire peut-être une planification
ou tout simplement se dire « qu'est-ce qu'on aimerait coudre dans la prochaine année? Qu'est-ce qu'on aimerait apprendre de nouveau? » Sur ce, tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo aujourd'hui. Si vous avez questions, suggestions, commentaires, n'hésitez pas à les laisser en dessous du vidéo, à cliquer « j'aime » si c'est du contenu que vous avez aimé et bien sûr à vous abonner si vous voulez manquer aucune de mes futures vidéos. Sur ce, je vous souhaite bonne couture et on se revoit très bientôt.